Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Olivier. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer un petit outil très sympa qui va vous permettre d'optimiser en fait vos articles sur des mots-clés en particulier. Alors pour commencer, eh bien tout d'abord, on va faire une petite analyse des mots-clés pour pouvoir placer notre article sur des mots-clés pertinents qui sont déjà pas mal recherchés mais qui sont pas non plus trop concurrencés. On appelle ça également des mots-clés issus de la longue traîne. Alors pour cela, je me sers ici du générateur de mots-clés de Google, hein, tout simplement, qui est un outil gratuit. Et donc ici, dans la case « Trouver des mots-clés », ici, je vais taper des mots qui sont en rapport avec le sujet de mon article. Et là, en l'occurrence, c'est un article sur les commentaires de blog. Alors, donc tout d'abord, j'ai tapé « Commentaires de blog » dans cette case-là. Et ensuite, donc, j'ai rajouté quelques filtres. Alors là, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, ben, c'est de cibler ici les recherches en France. Donc ici, j'ai bien sélectionné France et j'ai bien sélectionné également français ici. Alors, j'ai ensuite donc appuyé sur le bouton Search ici pour lancer des recherches. Et donc là, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, j'ai par exemple commentaire blog, donc qui est celui que je recherchais, avec 4400 résultats, avec 4400 pardon, recherches mensuelles globales. Et 9900 ici pour le mot-clé blog commentaire. Si par exemple là je cherche créer son blog, vous voyez là on a beaucoup plus de concurrence, on a un petit peu plus de recherche. Donc se placer sur des mots-clés comme ça, blog, commentaire ou commentaire de blog, c'est intéressant ici parce que ça va être relativement facile de se placer sur ces mots-clés-là qui sont pas mal recherchés et quand même qui sont pas encore trop concurrencés. Alors, je vous montrerai donc. Bah, une